vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de celle que je fais habituellement. J'ai eu envie, alors ça fait longtemps que j'y pense, parce que je les ai vus sur, beaucoup sur YouTube et quelques fois sur Instagram, mais voilà. J'ai eu envie de tester une box, et c'est pas une box beauté, ni lifestyle, ni rien du tout, c'est une box bouffe. Hop, il s'agit de la Degustabox. Donc voilà. Alors, c'est des abonnements, vous savez, mensuels. On peut prendre des abonnements trimestriels ou à l'année, enfin bref. Donc là, j'ai pris un abonnement. Je sais pas si je vais le continuer ou pas. Je vais voir ce qu'il y a dans la box. D'origine, la box fait 15,99€ sans les frais de port, sachant que les frais de port sont offerts en point relais. Là j'ai une promo en fait que j'ai trouvé sur Instagram où la box était à 9,99€ sans les frais de port. Donc pour ce prix là j'ai trouvé que ça valait le coup. Donc je me suis dit c'est le moment où jamais, vu que j'avais toujours eu envie de tester. De base je trouve que c'est pas très cher de toute façon, mais ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'avais vu des vidéos, il y avait des box super, des box moins bien, donc on va regarder ça ensemble. Alors il y a pas mal de petits fascicules que je regarderai après. J'ai déjà regardé quoique. Il y a des recettes. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette Degustabox? Alors, dans ces box, c'est un peu tout. Hein. C'est, peut y avoir des boissons, peut y avoir des boîtes de conserve, peut y avoir des apéritifs, peut y avoir des pâtes, peut y avoir. Voilà, j'avais envie de tester ça. Alors, on y va. Donc. Pas mal. Il y a un paquet de chips de la marque Bretz, le chipsier français, saveur chèvre au piment d'Espelette. Donc ça pour les apéros, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, oh, c'est cool. Alors ça plaira pas à tout le monde cette box. Hein. Au niveau LC, tout ça, machin truc, bref. Qu'est-ce qu'il y a plein de trucs là-dedans. Il y a des nouilles japonaises. Ah, ça c'est cool. Nouilles japonaises, saveur poulet teriyaki. Comme ceci. J'en ai une autre saveur au bœuf. Donc voilà. Donc deux boîtes de nouilles japonaises. Ensuite, c'est quoi ça? Oh, mais c'est excellent. Un sauté végétal. Alors, un sauté végétal spécialité 100% végétal à base de blé et de pois chiches. Égoutter et faire revenir les pièces dans une poêle avec un peu d'huile à chaleur moyenne durant 5 minutes. Le bouillon végétal peut être utilisé comme base pour une sauce. Ne pas consommer en cas de poche fuyarde ou gonflée. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Franchement. Franchement. Plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite boisson. Alors. Bellevoix, fruits, farm, concombre et menthe, boisson pétillante au jus de concombre pressé. C'est pas excellent ça? Permet de découvrir des produits quand même. Ben voilà, je mettrai ça au frais parce que j'imagine que ça se consomme bien frais. Excellent. Ensuite, on a des petits gâteaux de la marque Bocconcini. Donc ça va être italien, pâte feuilletée, fourrée à la crème de lait et au chocolat blanc. Comme ceci. Très sympa. Ensuite, il y a les trucs là-dedans. Oh putain. Je vais vous montrer tout ça d'ailleurs après, là il bosse. J'ai des noisettes décortiquées en direct de nos vergers français. Hop. Mais trop bien. J'ai un petit paquet Canderelle de Choco Peanuts, sans sucre ajouté, donc des petites gourmandises. Trop sympa. J'ai... Alors, ça c'est quoi? Une soupe floraline, donc fabriquée en France. Tac, tac, tac. Alors, faut regarder exactement. Alors, il y a des repas derrière. Enfin, faire une soupe, un clafoutis. Donc, ça va être une poudre.
c'est une poudre. Voilà, très sympa, franchement. Ah, une boîte de conserve William Sorin, saucisse lentille. Voilà, plutôt cool. Et je me lève parce que on a une bouteille de cidre doux fruité de la marque Loïc Raison. Hop. Donc voilà. Eh ben écoutez, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, tout me plaît, peut-être pas trop ça, le floraline, là, parce que je sais pas trop comment on fait. Faites bouillir le liquide dans une casserole, délayez, versez, rajoutez. Donc on va faire de la soupe. Faut que je regarde un peu parce que je suis pas sûre de m'en servir de ça. Enfin, je m'en servirai du coup parce que je l'ai reçu, mais bon. Le sauté végétal, je trouve ça excellent. Franchement, trop fort. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans les petits documents? Voilà, le sauté végétal, on a une petite recette pour le faire à l'italienne. C'est pas mal. Rajouter des carottes, machin truc. Très sympa. Hop. Ça c'est une pub. En fait, allez, on a les petites pubs sur les produits qu'on a reçus, donc coquilles, les noisettes. Et on a des petites recettes. Donc en fait, on a les prix. Ça c'est 2,11€. Les nouilles sautées, les nouilles ouais, japonaises, c'est 1,79€. Le sachet de chips qui a disparu de la circulation, c'est 1,49€. Ça, c'est 1,89€. Est-ce que je m'y retrouve? Ça, c'est la question. Les coquilles, là, 2,90€. Le sauté végétal, 6,90€. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la petite truc pétillante là. 1,59€ la bouteille. Le cidre, 2,95€. Les petits gâteaux, 1,89€. Qu'est-ce que j'ai pas donné? Le truc floraline là, 2€. Ah oui, ça je l'ai dit ou pas? Et... 1,29€ le petit sachet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il faudrait que je fasse le calcul avec ma calculatrice pour voir combien ça fait tout ça. Alors, donc le total là, ça fait 24,91€. Donc voilà. Donc on s'y retrouve au niveau prix. Là on s'y retrouve parce que je vous dis tous les produits me plaisent, quand les produits vous plaisent pas on s'y retrouve forcément pas, mais voilà, j'étais contente d'avoir testé. Je pense que je vais garder pour le mois prochain aussi, et je déciderai le mois prochain si je continue ou pas. Donc voilà, ouais, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de montrer ça à David, il va me dire qu'est-ce que t'as commandé encore. Enfin encore, non, je compte pas tant de trucs que ça, n'exagérons rien, mais je regardais parce que je crois que ça filmait pas, j'ai eu un coup de flip. Donc voilà, donc pour l'instant, pensée, j'arrive pas à trouver le mot, voilà, je suis plutôt contente. Donc oui, là il y a des recettes, il y a une recette de gratin de poireau au jambon et dessert à la floraline, ah bah voilà, coco et vanille, c'est pas mal. Donc voilà, donc je vais garder tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo un peu différente des autres vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.